Et bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pour la deuxième partie des donjons, enfin, tout du moins certains donjons qu'on va faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le titre l'indique, à la conquête de l'Ouest. Donc c'est-à-dire on va s'attaquer dans le désert, les Gurudo, si je me trompe pas. Alors donc ça doit être ça. Mais juste avant ça, nous allons trouver la deuxième larme du dragon, qui est la suite de la scène cinématique sur Zelda. Donc, nous allons commencer, s'il veut bien, voilà, la partie. Alors, hier, oui, je devais stream, mais au final, je me suis dit que j'allais farmer un petit peu. Donc, en l'occurrence, j'ai farmé un petit peu de cœur, un petit peu d'endu, un petit peu de bouffe aussi. Parce que je sens que pour les prochains événements, ça va être corsé. Donc, en l'occurrence, on s'était arrêté ici. Donc, comme vous pouvez voir, non. Voilà, en haut à gauche, j'ai récupéré au moins un cœur. Et au niveau d'endu, on va faire ça, voilà, j'ai récupéré une barre. En plus, qui est pas trop mal. Et j'ai récupéré aussi quelques petites armes, pardon, bien sympathiques. C'est-à-dire, j'ai récupéré ça. J'ai fait ça, il me semble. Ou alors j'avais ça avant-hier, je sais plus. Et j'ai récupéré aussi quelques noix pour avoir un petit peu plus de place dans mes sacoches. Parce que c'est vrai que ça manque un peu de place. Donc en l'occurrence, j'ai fait armes, bouclier. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai un bon bouclier là qui attend que ça. Et des arcs. Bon, lui, il commence à être HS, mais bon, on verra au fur et à mesure lorsqu'on trouvera sur la route. Donc, on va commencer par ce sanctuaire avant. Comme je ne l'ai pas fait avant-hier. C'est pareil, au niveau de la map, j'ai dévoilé un petit peu, je crois, une ou deux maps en plus. J'ai farmé aussi dans les profondeurs. Leçon de combat lancée, d'accord. Ah, j'espère qu'il va pas me demander ce que. Oh. Je sens que ça va être des armes, un truc comme ça. Apparemment, je vois que la caméra ça va toujours pas, c'est génial. Alors, vise bien puis lance ton arme sur l'ennemi. Ok, donc déjà on va aller récupérer les armes qui sont à gauche. Oui, c'est bon. Hop, voilà. On va juste s'équiper des âmes merdiques. Hop. Hop, voilà. Alors, vous m'excuserez aussi, hein, mais je suis en train de prendre mon café en même temps. C'est le troisième que je suis en train de prendre. Bah, pourquoi il veut pas? Ah oui, c'est mieux si je fais ça. Voilà, vas-y, arrête de bouger. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Voilà, comme ça, je vais pouvoir récupérer le petit fragment. Alors c'est pareil, hier en cours du farming que j'ai fait, j'ai pu récupérer des vœux de sage. Alors pour l'instant j'en ai que deux. Je me demande bien à quoi ça va servir pour plus tard. D'après ce que j'ai pu voir, ça renforcerait les liens avec les sages. Donc après, à voir sur la suite. Alors, on va déjà ramasser ça. Bon,
Après, c'est toujours ça. Alors ça, on va passer, on connaît maintenant. Alors, hop, donc voilà, ça c'est fait. C'est pareil, par la... hier j'ai récupéré aussi, juste avant de quitter la partie, j'ai récupéré le gilet pour l'escalade, parce que je pense que ça va être utile pour après. Sinon j'ai rien que récupéré d'autre. Si j'ai renforcé qu'est-ce que j'ai renforcé hier au niveau armure, je crois que c'est celle-ci. La tenue alien. Avec la grande fée qui se trouve. Quelle est je crois que c'est là. Non, ça c'est la gazette. Ouais, c'est celle-ci. C'est la fontaine de la grande fée que j'ai débloquée, la première. Après il y a les autres. Je crois que là ça doit être celle-ci, la deuxième d'ailleurs. Alors ça, ce que j'ai pointé, c'est les sanctuaires que je ferai quand j'arriverai sur la route par là-bas. D'ailleurs la seule route qui m'y mène, ouais, c'est ici pour aller dans le désert. Donc on va aller juste avant. Allez voir la petite mamie. Donc on va aller prendre la petite tour et on va aller voir la deuxième cinématique avec la larme de dragon. La larme, pardon. Donc, alors, hop. Donc, normalement, voilà, on va faire ça comme ça. Et donc là, si je ne m'abuse, ouais, on va aller par là. Évidemment, ça marche pas comme ça. Ça aurait été trop simple. On va faire ça. Hop. On va essayer quand même de prendre le chemin. Oh, ça va être pas mal. Ah, tiens, d'ailleurs, j'en vois un ici. Si j'arrive à le cibler. Voilà, on va faire ça comme ça. Ouais, ça, c'est pas trop loin. C'est pareil, j'en vois un autre ici. Tac. Comme ça, ça en fera deux de plus. J'ai un glyphe là-bas. C'est ce que je me disais. Alors, c'est pareil, j'ai cru comprendre aussi qu'on pouvait avoir nos propres chevaux avec le premier, mais le problème c'est que d'après ce que j'ai pu lire, hop là, ça bugrait. Alors si vous avez des conseils pour ce, hop là, ça va,
des conseils pour savoir comment les récupérer, tout du moins récupérer les chevaux, parce que j'ai hier, pareil, je me suis remis sur Brides of the Wild pour avoir les chevaux, mais malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner. J'ai beau aller parler au maître d'écurie, ça ne veut rien savoir. Donc si vous avez des idées de comment les récupérer, moi je suis preneur. Alors par contre, on va changer d'arme. On va prendre celle-ci. Pare-feu, d'accord. Donc, là-dessus, il y a quoi? Ok. Donc, si je me mets là-dessus, ça va ouvrir la porte qui est là. D'accord. Oula, oui, effectivement. Alors. Ici, ça amène où? Ouais, ok, c'est la fin ici. Oh. Ça a vite fondu. Tant que ça reste lourd, ça me va. Hop. Ah là, ici, ça pique. Ok. Évidemment. On va essayer d'en prendre un autre à la volée. Hop. Bizarre, j'ai pas vu de coffre. Il doit être quelque part le coffre. Donc là, ça marche pas comme ça. En bas, il n'y a rien. Ah, tiens, tiens, tiens. Alors, comment faire pour l'envoyer de l'autre côté? Parce que là, si je fais ça, ça va pas marcher. Ah bah si. Mais le coffre, il est où? Ça, je voudrais bien le savoir. Alors, admettons, si je prends ça. On va faire ça comme ça.
Bon. Donc ça, ça marche pas. Ça glisse pas dessus. Donc. On va retourner de l'autre côté. Ah, trouver le coffre. Il était caché. Hop, voilà. Coffre récupéré. Encore ? Bon. Pas grave. Alors, comment j'ouvre ça? Ah, je crois avoir trouvé le système. Hop. Alors ça. On va le mettre ici. Et ça. Hop, on va le coller dessus. Hop. Ah, je me suis loupé. Voilà. Ce sera plus simple. Voilà. Il n'y avait rien de compliqué en fait. Comme ça, ça fait 3. Comme ça, on récupérera le quatrième sur le chemin. Et donc, normalement, voilà. Donc, elle est ici. On va aller juste voir plus loin. Parce que je vois un truc bizarre. Ah, y a rien. Ça me dit rien qui va aller là-dedans. Ah, d'accord, c'est un accès direct. Oh, par contre, on voit rien du tout là. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. Au moins, comme ça, j'ai vu ce que c'était. Encore moins comme ça. Faut que je voie d'ailleurs sur la carte où c'est que ça amène exactement. Alors, on va juste. Alors, le puits il est juste là, et donc ça amènerait, d'accord. Ah bah ça m'amène à ce point-ci, d'accord.
Ah non, ça c'est la... Ok, oui. Donc là... On va profiter pour le tuer, celui-là. D'ailleurs, on va... Ah, t'arriverais pas. Voilà. On va faire un truc avant. C'est où? Ils sont où? Ils sont là. Hop, on va prendre ça. Hop, on va poser celui-ci. Et on va prendre ça. C'est ça que je voulais, merci. Hop, voilà. Et comme ça... Ça fait une petite lance. On va lui pêcher cher dès le départ, comme ça on va être tranquille. Hop, voilà. Et voilà. Affaire réglée. Ah, une dent, d'accord. C'est bien le seul truc que j'avais pas. Oh. Plus de voyageurs et ok, voilà, parfait. Alors maintenant faut que je trouve le chemin. Le seul chemin qu'il y a c'est ça là-bas. Ok, bon bah c'est parti. Évidemment, il faut que je change d'arme. Alors, du coup, on va reprendre celle-ci. Hop, voilà. Hop. Il est où? Il est parti? Bon, bah tant pis pour lui. Hein. Ça fait toujours de la viande en plus. Tais-toi. Hop, voilà. Donc là, pour l'instant, on va pas y aller tout de suite. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous, là-bas. Aïe! Il est fou, lui! Il est fou! Donc c'est qu'il m'agresse lui. Oh mais où? Il y a le petit coffre là-bas. Voilà, je vais le récupérer. C'est pareil, j'ai récupéré plein d'objets hier aussi là. J'ai pu récupérer des roues, j'ai récupéré ça et des canons. Chose qui est pas trop mal non plus. Et quelques fusées. Je voulais prendre. Alors ça j'en ai qu'un. Ah ben j'en ai plus des. Ah. Bon, on va prendre celui-ci. Alors.
Ah ouais. Ah, il a fait tomber son pote. Ah, toi aussi. Hop. Ouais, comme ça, moi, ça me laisse. Hop, le temps de me rapprocher de lui. Ah, évidemment. Je crois qu'il a été congelé. Ah. Voilà. Il est où le loup? Oui, il est là-bas. Ok. On va rester tout à le loup. Hein. Hop, ça tombe bien. Il a quasiment peu de flèches. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Celui-ci s'en est un, apparemment. Hop. Non, bah, c'en est pas. Bon, je croyais. Sniff. Normalement, je crois qu'il doit y avoir un relais par là-bas. Ah, bah, je suis en train de me diriger sur la deuxième fée sans le faire exprès. Observez, plus je suis fasciné par cette forme inhabituelle, aurait-elle un sens caché? Hein? De quoi est-ce qu'il parle? Pardon, je t'ai complètement observé par ma toile, tu peux tout à fait. Voyageur, toi aussi. J'ai une passion pour la peinture, comme tu peux le voir, et je parcours le monde en quête des plus beaux plaisirs. D'ailleurs, je suis en train de peindre une petite île qu'on voit là-bas. Laquelle? Ok. Le ciel parsemé d'îles volantes depuis le cataclysme. Je suis franchement attiré par cette île à la forme si singulière là-bas. J'aurais du mal à l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de me dire quelque chose. T'es-tu déjà demandé pourquoi ces îles flottent dans le ciel? Pourquoi ne pas prendre un instant pour y réfléchir? Ouais. Ah. Plus tard. Ok. Hop, voilà, comme ça il va pouvoir lâcher son panneau. Allez! Eh, t'as vu, il tient tout seul. Et magique. Ah non, eh ben, il tient pas tout seul. Ok, bon. Et quoi ce Beans? On va faire un truc, on va faire ça. Oh, je t'ai dit de venir. Oh, on va juste poser ça deux secondes.
raté. Il a de la chance celui-là. Et je sais ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça, voilà. Et normalement ça devrait plus bouger. Alors ça par contre c'est commence à devenir pénible. Ah mais il est serré lui. Toi je vais te mettre des coups toi. Oh, il commence à m'énerver lui. Je reviens deux petites secondes. Ah, je suis revenu. Donc, hop, toi tu vas aller là. Et maintenant il veut que je lui parle. Il est un peu bizarre lui aussi. Ouais, comment ça, bon, mais il est brisé lui. Alors qu'est-ce que t'as? Ah. On va t'acheter des flèches. Ce sera tout. Ah. Pour le moment. Il va tomber son panneau. Bah oui.
Tac. Chose. Est-ce que je peux le mettre au moins comme ça? Ouais, évidemment, il veut pas. Tac, on va faire ça comme ça. Et on va le mettre comme ça. Voilà. Normalement, il ne devra plus tomber. Ah. Ouais, bah si. Bon, tu me saoules avec tes panneaux, toi. Bon, on va voir si ça tient. Hein. Bah, toujours pas. Bon, eh ben, on verra plus tard pour lui. Hein. Allez, au revoir. Je t'ai demandé d'écouter. Ok, ok, vas-y. Ah, ça y est, c'est le moment où il fait froid. Donc du coup, on va s'équiper de ça et s'équiper de ça. Extraordinaire. Ouais, une petite grotte ici. Allez voir ce qui s'y traîne là-dedans. Évidemment. Les ennemis vont bientôt repop. Tu grimpes ou tu grimpes pas? Merci. Ah, évidemment. Ça me laisse même pas le temps de grimper. Oh, lune, allez. Voilà, comme ça, tous les ennemis que j'ai tués, ils ont repop.
Non, c'est ça que je veux. Oh, trois fées en plus, ça c'est bon ça. On va essayer d'y aller discretos. Non, j'en ai pas encore d'équipement. On va essayer de récupérer au moins les trois fées, si je peux. Hop, et de une. On va récupérer ça aussi. Ça, c'est pareil. On va récupérer les autres après. Quoique, je vais peut-être les récupérer tout de suite. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir récupérer les deux autres fées. Allez, viens là. Viens, la petite fée. Je te veux pas de mal. Voilà. Encore une. Faut pas te presser avec eux. Quelle est? Allez! Sérieux? Non, seulement deux, pas trois. Bah non. Mais non, mais non. Bon, elle était partie, tant pis. Tant pis pour la fée. Bon, au moins 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Donc, c'est par là-bas. C'est long ou pas? Ça m'a l'air. En tout cas, j'ai la balise qui est juste ici. Donc on va aller activer le temple là-bas, enfin le sanctuaire. Genre il m'a vu lui. Hop, tiens. Ah, et puis en plus, je fais pas la bonne arme. Hop, voilà. Ouais, il y en a encore un troisième là-bas. Hop. Oh bah. Ah, tu me rappes pas. Nanère, tu m'as pas eu. Bon, pas terrible comme cheval, mais bon, on fera avec. Voilà, comme ça, on active le temps, le sanctuaire.
Décidément, qu'est-ce que j'ai moi avec les temples? Alors, le sceau de la foi. Ok. Ah. Alors, on va juste voir s'il n'y a pas quelque chose par là. Ah bah si, tiens. C'est tout ce qu'il y a, ouais. En plein dessus. Voilà, je me disais bien aussi. Même bien pratique de les geler quand même. Ah, c'est mieux si je l'ai lâché. Alors là, j'en vois un autre là-bas. Évidemment, il y en a un autre encore là-bas. Quelque chose en... Ah. D'accord. Je sens que c'est pas terminé pour activer celui-ci. D'accord. Ah oui, ok. Ça, c'est pour envoyer la boule. Une clé quelque part. Alors, où quelle est la clé? Hein? M'a fait une fausse joue. Si je vois pas. Je vois qu'il y a un passage en bas, mais je vois pas comment. Ah.
plus. Le truc, c'est qu'on peut pas passer par... par le bas. Ah mais attends, et si je fais ça? Peut-être que... Non. Oh, j'ai rien du tout. Que là je vois bien un truc. Alors qu'à mon avis il doit y avoir un passage là-bas. Ben, ça me paraît bizarre. Là ici il n'y a rien. Là, c'est pareil. Alors, comment récupérer la clé ? Je peux pas interagir avec. À mon avis, là où il y a rien. J'ai rien non plus. Ouais, pas un passage par ici par hasard. Apparemment non. L'arrière. Je vois rien de... qui me permettrait d'aller en bas. Ah, y a rien, y a pas de passage, y a rien. Eh bien d'accord. Ça c'est d'où je suis arrivé, donc là ok. Un moyen pour y aller quand même. Parce que là, on est bien d'accord que le passage, il y en a un ici. Il y a même un autre coffre en bas.
Ça fait quoi si je m'enclenche l'arme, là? Bah voilà. Évidemment. Je me disais bien. Disait bien qu'il y avait un moyen. Alors maintenant, c'est pour remonter. Ça, ça va être autre chose. Et à mon avis, on peut pas remonter. Oh là là. Ah oui, d'accord. Bon, moi j'ai vu ce que ça faisait. Là, faut pas toucher. J'espère que je suis pas dedans. C'est limite. On va faire un petit retour, puis on va se décaler un petit peu. Hop. Voilà. Ah, on s'extrait ici. Voilà. Puis attends. Oh. Hop. Et c'est parti, on décolle. Oula, oulala. Ah. Hop. Et hop. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, comme ça, ça fait un TP par ici. Donc, maintenant. Est-ce que pouvez-vous me parler à nouveau de l'incident qui s'est produit dans ce relais? Bien sûr, nous avions ici il y a encore peu de temps un cheval doré que Dame Zelda nous avait confié. Mais là, s'il s'est enfui, la disparition d'un chevalier à Dame Zelda est déjà suffisante pour faire le gros titre. Les gros titres. Je suis surtout curieux de connaître les circonstances de cette disparition. Oui, je ne risque pas de l'oublier. Je venais juste de finir de m'occuper des chevaux. Je me reposais dans le relais quand j'ai entendu la bête se débattre. Lui qui est d'ordinaire très doux et calme, et il a fait tellement refus ce jour-là. Et j'imagine que vous êtes allé voir ce qui est arrivé.
Mais tout à fait. Et c'est là que j'ai vu Demoiselle Dash juste devant l'écurie. Je pensais qu'elle avait disparu. Et alors qu'elle se rapprochait de l'enclos, le cheval de raie, lui, s'agitait de plus en plus, jusqu'à finir par prendre la fuite. Disparaître par l'évasion de cheval, je n'ai pas remarqué que la princesse aussi était partie. J'ai tourné la tête un instant et elle n'était plus là. Tout est allé si vite. De là à perdre le cheval et Dame Zelda de la sorte. Si l'affaire n'est pas aussi sérieuse, je penserai à une mauvaise blague. Oh, tu tombes à pic, partenaire. T'as même pas vu. Et quelle discrétion, je te félicite. Tu es vraiment l'étoffe d'un journaliste de terrain. C'est un de vos collègues? Absolument, je vous présente mon partenaire. C'est encore un novice, mais il a du potentiel. Mais je vous en prie, continuez votre témoignage, c'est important. Eh bien, comme je le disais, le cheval se comportait de manière très inhabituelle. Il s'était clairement pris d'affection pour la princesse qui l'avait recueilli et prenait grand soin de lui. Alors, je ne comprends pas pourquoi il semblait si terrorisé. On dit que la princesse Zelda, qu'elle est douce et bienveillante, que c'est une personne honorable et altruiste. Pourtant, ce jour-là, son cheval s'est enfui et à sa vue, avait-elle l'air menaçante? C'est-à-dire, j'ai à peine eu le temps de l'apercevoir, elle avait l'air distante, sévère même. Très différent de la dernière fois où je lui ai parlé. Peut-être était-ce contrarié que le cheval s'emballe. Enfin, le moins que. Pardon. Ouf. Enfin, c'est le moins que je puisse faire, serait de retrouver le cheval enfui pour elle. Ouais, donc ça pompe par là-bas. Il s'est enfui vers le nord et il n'est jamais revenu. Je partirais bien à sa recherche, mais on raconte qu'un énorme monstre volant rôde au nord. Alors, je me contente de nettoyer l'écurie en espérant qu'il revienne, qu'une bonne âme la ramène ici. Bon, la chasse au cheval là, va être de mise par ici. Hi. Amener un cheval. Voilà. Vous pouvez voir, j'ai pas de chevaux. J'ai juste celui que j'ai récupéré ici même. Donc ça me paraît bizarre comment pouvoir la récupérer quand même. Ça c'est quoi ça? Oh, sacrée recette. Par contre, j'ai pas de beurre, j'ai pas de blé, j'ai pas de lait, d'après ce que je peux voir. Ah, c'est du milk. Ça. J'ai plus beaucoup de flèches, donc ça tombe bien. Me ruiner celui-là. Voilà. Je crois que je peux vous le caresser. Besoin d'un guide? Non, ça ira. C'est juste voir si on trouve le cheval. M'a dit qu'il était au nord. Donc ça c'est un renard des neiges. Ah, à mon avis, ça doit être celui-là, le fameux monstre qui rôde.
Waouh. Je t'ai vu, t'es caché là. Si je trouve le cheval, si je le trouve pas, on va aller en direction du désert. Bon, y a pas de coffre, au moins comme ça je suis fixé. Le nord c'est par là. J'ai pas l'impression de voir le cheval. Pas qu'il me voie. Hop. Ah, comme ça, ça fait toujours ça, au moins à prendre en photo. Qu'il est. Ah, il va faire demi-tour là où il faut pas. Ah, j'en m'en doutais qu'il allait me voir. Ça va être un peu long pour tirer dessus. Toi. D'avoir le cheval. En tout cas, je vois rien de... Hop, comme ça, lui, il a fondu. Ah, si je vois des chevaux là-bas. Ah, yes. Eh. Eh bah, voilà. Double KO. Le cheval doré qui est là. Ah, j'étais déjà à fond au niveau zoom.
On va essayer de le capturer de là-haut. Voilà, comme ça, j'aurai une bonne vue. Cheval doré. Hop. Et puis ça, c'est juste des chevaux normales. Voilà, comme ça, on va prendre la troupe. Et maintenant, on va le capturer. Hop là. Voilà, tout doux. Donc du coup, le point relais, il est là. Donc on va mettre un petit marqueur. Hop. On va essayer d'esquiver l'autre là-bas. Ah, calme-toi, calme-toi. Alors, on va essayer de l'amadouer un peu. Ah, ça va plus vite quand même à cheval, non ? Il n'y a pas photo. Oh, tu l'as trouvé. Oui, c'est bien lui, c'est bien le cheval que la princesse Zelda nous avait confié. C'est un faible souci pour lui, mais voilà bien soulagé. Quel rebondissement, mais comment as-tu... Facile. Mais c'est qui va finir par me faire de l'ombre, ma française, tu vilou. Pardon. J'espère que tu n'essaieras pas de me piquer ma place, partenaire. Sinon, je te préviens, ça va mal se mettre. Ah, je te fais marcher. Va, toi et moi, nous sommes une équipe, et une équipe qui gagne, qui surcroît. Bien joué. Par contre, je crois que ce cheval t'a à la bonne. Il y a intérêt ? Mais on dirait bien. Que dirais-tu de l'amener avec toi ? Il a l'air de t'apprécier. La princesse Zelda m'avait demandé de lui trouver un partenaire qui saurait en prendre soin. Et puis j'ai l'impression que vous cherchez tous les deux à retrouver la princesse Zelda. Alors, raison de plus pour le faire ensemble. C'est une offre qui ne se refuse pas, partenaire. Ce cheval est à toi. Partagez clairement un but commun. Oh, et j'aimerais aussi te remettre ceci. Ah, top! Et puis tiens, prends ça aussi. Ah bah voilà. La princesse Zelda m'avait laissé ce filet et cette selle spécialement pour lui. Il a l'habitude de les porter et je pense que ça ferait plaisir que tu t'en serves. Ah, et prends ça aussi. Oh, bah. Eh, dis donc, c'est le jackpot là avec ce cheval. J'avais l'intention de m'en servir pour... de me servir de ce remède en main pour calmer le cheval. Mais puisque j'en ai plus besoin, tu peux l'avoir. Bon boulot, partenaire. Tu as encore beaucoup à apprendre, mais je suis déjà très fier de toi. Grâce à ton aide, je vais pouvoir rédiger un article exceptionnel. Alors, faisons les comptes. Nous avons fait la lumière sur deux rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. Voilà ta paye. C'est amplement mérité, tu sais ce qu'on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ouais.
Oh, et voilà un petit quelque chose de la part de... Tiens. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Cette toile solide et joliment décorée de motifs représentant la Gazette des Bois, elle sert parfaitement à la confection. D'accord, une paravoile. Bon, tout ce qui touche mon tissu devrait pouvoir t'aider à en faire quelque chose d'intéressant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette étoffe fait de toi un membre officiel de l'équipe de la Gazette. Ah, top! Oh là là, faut toujours lire entre les lignes. Ah, elles sont comiques quand même là-dedans. Enfin bref, porte ses couleurs avec fierté, partenaire, ravi d'avoir... Ravi de t'avoir à nos côtés. Il est temps pour moi de rentrer à la Gazette pour rédiger mon article. À la prochaine, partenaire. Hey, bon vent. Oui, ce que j'avais pas dit aussi, c'est que j'ai résolu par rapport avec la Gazette. Alors non, c'est pas celui-ci, c'est celui qui se trouve ici. Parce que hier, voilà, il était ici, il se trouvait ici, et il fallait justement aller réconforter Madame la Grande Fée sur. Parce que justement, elle a eu peur du cataclysme. D'ailleurs, elle n'a pas qu'elle. Et la preuve en est, j'ai encore des musiciens qui sont ici. Ça, c'est la deuxième partie des musiciens, en fait. Et à mon avis, c'est ce qui m'amène à aller là-bas. Oh, mais je te connais, toi. Regarde, ou plutôt, écoute. C'est vrai, gros, mais... Dire qu'il était tombé dans une crevasse alors qu'il était en route pour le village Piaf. Ah oui. Note pour plus tard, ne plus laisser conduire le chariot. Enfin, il n'est pas blessé dans cette mésaventure, tout est bien qui finit bien. La puissance va redonner du souffle. Il est abattu. Qui sans lui aurait fini par manquer d'air. Au fait, si tu t'es arrêté ici, c'est que par hasard serait pour percevoir la grande fée. Une grande fée ici? Tout à fait, la grande fée. Hein, s'est installée près de ce relais. Ouais, j'ai cru l'apercevoir. Une fée sombre, alors je ne sais pas si tu peux la voir, mais malheureusement, la grande fée s'est enfermée dans son donjon. Peut-être que comme sa sœur du relais de la forêt, elle a trop peur pour sortir. La grande fée qui vit ici adorait le son du corps de Céréo. Coréo. Elle pourrait calmer le cœur de la fée, ses mélodies apaisantes. Je voudrais donc me mettre en route au plus vite pour rejoindre la grande fée, mais... Oh, on a un problème, hein. On n'a pas de toit. Ah, on risque gros si on voyage sous cette neige. D'accord, ok, faut que je te mette un toit. Grimper très haut. Ok, vas-y. On n'aura pas de toit. On ne pourra pas aller jouer pour la grande fée. Bon, je vais te réparer ça. Hop, en deux. Voilà. Et comme ça, c'est mieux. Ça a l'air. Pas tout de suite, parce que du coup, il est où le sol? Il est là. Ce serait bête de pas pouvoir l'enregistrer avant de partir.
Voilà. Hop, on va te parler à toi. Oh, le cheval doré de la princesse. On m'a tout raconté. Tu veux l'enregistrer? Oui, s'il te plaît. Très bien, c'est sûr de vouloir enregistrer ce cheval. Oh oui, effectivement. Vigueur, vitesse, endu. Ah, bien. Mieux que le premier. Merci. Hop, voilà. On a demandé de lui donner un nom, bien sûr. Hop, comme ça me fait un autre point. Génial. Apparemment, tu as collecté quelques points. Lui donner un nom. Comment vais-je l'appeler? Allez, on va l'appeler comme ça. Hop, voilà. Un joli petit cheval doré. Voilà, ta monture est enregistrée. Souhaites tout personnaliser ta monture. Oui, changeons la selle. Alors, la royale, tant qu'à faire. Changeons le filet. Et royal. Voilà. Tout en mode royal. Laisse tomber. Pourvu d'une grande endue, peut triple galop pendant plus longtemps. En revanche, il n'est pas aisé de les diriger quand ils sont lancés à une telle allure. À cette vitesse, on a vite fait de heurter le premier obstacle venu, alors ouvre l'œil. D'ailleurs, en règle générale, il vaut mieux n'adopter que le galop au milieu de vastes espaces dégagés. Ok. On va juste récupérer la récompense. Et après, on va se diriger. Du coup, pour l'alarme. Quoique, si je vais peut-être la faire tout de suite après. Tu collectes un. Tu obtiendras une selle de voyage. J'ai un filet de voyage pour embellir ta aventure. Ok, merci d'avoir. J'ai pas compris. Tu veux échanger tes points de relais contre une récompense, c'est ça? Tu collectes 3 points de plus, tu obtiendras une. Ouais, non, mais moi je vais récupérer ma récompense, là, c'est quoi ce Il vous manque 3 points pour obtenir la selle. Bon, d'accord. Bon, bah, pourquoi pas. Ouais, comme ça on ira beaucoup plus vite à cheval. Alors, mamie elle est où? Alors toi je vais te laisser ici pour le moment. Ah! Elle est en bas? T'es sérieux? Par contre j'ai pas vu la tour pour ici. Ah bah si, elle est là-bas, évidemment. Moi je l'activerai beaucoup plus tard. On va aller voir en bas. Oh, ça me dit rien qui vaille. Hop là, je voulais pas glisser mais c'est pas grave. Temple oublié. Je reviens de suite.
Je me fais un petit café et je reviens tout de suite après. Thank you.
Et me revoilà. Alors. Donc, on va redescendre plus bas. Link, ça alors, quelle surprise de te voir ici. Ouais, tu n'es pas persuadé que tu as trouvé des informations sur les géoglyphes dans ce temple. En termes d'une longue ascension, nous sommes finalement arrivés ici. Et dans même pas ne tenait pas en place et à peine ai-je tourné les yeux qu'elle s'est élancée au cœur du temple. Dès que j'aurai correctement arrimé la Mugunfia, il va falloir que je la retrouve. D'accord. Bon, on va aller la retrouver. Ah, évidemment. Ça va pas être commode ici. Je suis pas sûr de pouvoir les atteindre, mais c'est pas grave. Non. Je m'en doutais. Alors, nous avons quoi? Ok. J'avais cru voir là-bas aussi. Ouais. Mais normalement, je vais pouvoir les skip. Je vais juste quand même vérifier. Il n'y a rien d'autre. Hop. Bien pratique quand même ce petit pouvoir. Ah non! Bon, bah je suis descendu, mais je voulais pas faire ça, c'est pas grave. Ça va, non. Là-dedans, il y a quoi? Il y a rien de... Dans le trou, il y a rien. Si, il y a ça, mais... Pff, ça, on s'en fout un peu. Ouais, je crois qu'à mon avis, je vais pas avoir le choix que de les affronter, les trolls là-bas. Quoique. Ah, évidemment. Bon, en gros, j'ai pas le choix, on va aller là. On va faire ça. Ça m'évitera d'escalader. Alors, je crois qu'il y avait un passage par je sais pas où. Où c'est qu'il y avait un passage? Il m'avait semblé avoir vu un passage par là. Ah, c'est le trou qui est là. Ça va pas marcher là. Ouais, c'est bien ce que je me disais. On va faire ça comme ça. Et le trou il doit être juste au-dessus normalement. Alors je prends juste une gorgée de café. J'ai assez d'endu pour pouvoir faire ça. Voilà. Ah, à mon avis, elle doit au fond. C'est quoi ça? Ah, c'est des champignons. Bon, apparemment, il n'y a rien de... très satisfaisant là-dedans. Hop. Ah bah tiens, elle est juste là.
va faire vite fait le sanctuaire. En espérant qu'il n'est pas compliqué. Et après, on descend direction le désert. La combinaison. Ok. Ok, donc il faut reproduire ce qu'il y a à gauche. Oh, c'est ça, c'est pas ça, hein? Si. Tac. Et tac. Voilà. Ouais, je m'en doutais un peu. Je l'ai eu. Alors, voilà, je vois un coffre ici. Alors, normalement, si je prends toi. Normalement, ça devrait le faire. Je dis bien normalement. Eh, pas de chance. Je suis trop court. Ouais, ça va pas tenir comme ça. Donc il faut que je trouve un moyen. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, on récupère le petit coffre. Où il n'y a pas grand chose dedans, bien évidemment, comme à chaque fois. Alors. Donc maintenant, il faut que j'arrive à empiler tout ça. Donc celui-là, à mon avis, il va aller là. Voilà. Lui. Comme ça. Et lui comme ça. Hein? Ah, comme ça, ça en fera 5. Comme ça, tout à l'heure. J'irai faire le
Récupérer un cœur, en plus. J'essaierai de mixer un petit peu entre vie et endu. Alors, c'est toi, je te remercie pour ton aide avec la mouton de fer. Je suis persuadé que nous trouverons des informations sur les géoglyphes quelque part dans ce temple. Je fouine un peu partout, mais sans succès jusqu'ici. Il faut dire que les lieux sont vastes. Voyons, où pourrais-je encore bien chercher? Ouais, je sens que... Il y a anguille sous roche là-dedans. Bon, en tout cas, ça me donne un accès direct au temple. Eh mais attends, normalement on peut prier ici. Ah mais attends, c'est nouveau ça. Il était pas la première fois là-dedans. Oh. Oula. Ah, évidemment, il y a un coffre là-haut. Voilà, c'est un petit coffre en bois, par contre. Hop. Ah, t'es sérieux? Non. Ah, moi c'est pas là que je voulais aller. Je me suis fait avoir. Ouais, je vais pas pouvoir l'attendre. Bon, ça à la rigueur, c'est pas grave. C'est en bof. Oh, je viens de comprendre ce que c'est. Ça indique en fait les emplacements des géoglyphes. Donc là, admettons si je fais ça. Moi, je suis pas sûr. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Surprenant, n'est-ce pas? Un peu, oui. Descendons l'air. Nous ferons bien d'examiner tout cela d'un peu plus près. T'as vu ces représentations murales? On dirait bien nos géoglyphes, non? Qu'est-ce que tout ça peut bien signifier? Oui, c'est bien lui, tout à gauche, le premier géoglyphe que nous ayons découvert. Voyons un peu la gravure suivante. À en croire la carte tracée au sol, celle-là se trouverait non loin du village Piaf. Il semble que l'emplacement de tous les autres géoglyphes soit également indiqué sur la carte au sol. C'est à peine croyable. Je m'attendais à découvrir ce genre de choses au fond de ces ruines. Quand la princesse Zelda a disparu et que le cataclysme s'est déclenché, des géoglyphes sont apparus un peu partout. Je me demande s'il y a un lien avec les images exposées sur ces murs. Il va certainement
pas rester planté là, dépêchons-nous d'aller examiner les autres géoglyphes. Mais enfin, on n'a même pas. Vaudrait-il pas mieux prendre un peu de repos au préalable? Si tu découvres un autre géoglyphe au cours de tes voyages, Link, ne manque pas de l'étudier de près. Tu pourrais recevoir une vision comme celle de l'autre fois, et ainsi obtenir un indice supplémentaire au sujet de la princesse Zelda. Ouais, donc du coup, en fait, ici c'était pas une scène cinématique, mais bel et bien un lieu pour découvrir les géoglyphes. Examiner. La larme des larmes. D'accord. Bon, bah, au final, c'était pas grand chose, c'était juste pour ça. Ah bon, en fait, il y avait l'accès qui était là. Bon, bah, au moins, comme ça, j'ai vu. Je crois que ça, c'était une porte là-bas. Bon, en tout cas, ça m'a tout l'air d'être une porte. Ah non, ça doit être. Ah oui. Ah non, c'est l'accès. Qui mène en bas. Et à mon avis, en activant tous les géoglyphes, on devrait pouvoir activer un genre de mécanisme ici qui devrait nous déverrouiller. Je sais pas, peut-être la dernière scène cinématique, un truc comme ça, je pense. Après, c'est à voir. Mais en tout cas, ouais, c'est bon à savoir. Bon, de toute façon, ici, il n'y a rien d'autre. Donc, nous allons nous diriger maintenant. Sur le prochain lieu, c'est-à-dire dans cette zone-ci. Alors du coup, je vais enlever la balise ici. Celle-ci, je vais les laisser et on va aller sur la tour de la plaine. Donc, du coup, il va falloir que j'active un téléporteur au sanctuaire qui. Lequel sera le plus près. Mon avis, c'est d'autre part là. Je sais plus pourquoi j'ai mis une balise ici, mais ça doit pas être un sanctuaire ça. Alors que je regarde ça de plus près. Alors. Ah non, c'était le relais que j'avais mis. Là-dedans, je sais pas s'il y a quelque chose. Non, apparemment, il n'y a rien. Donc, l'or, il est par là-bas. Ah, d'accord, ok. Je vois ce que c'est. C'est le dragon de foudre, celui-ci. Bon, je le vois pas très bien, là, mais. Il y a un truc là. Alors on verra ça un petit peu plus tard.
Je vais activer le téléporteur qui est ici. Hop, voilà. Bon, je le ferai pas, je vais pas le faire tout de suite celui-ci. C'est au moins pour avoir la téléportation qui se trouve là. Ah, encore une enquête à faire. Toi. Ah. Voilà. Hop, amener un cheval. Voilà, on va prendre celui-ci. Ah. Comme ça, j'ai le cheval à proxy. Ah. Non, c'est grave. Ah. Allez. Y a quoi d'autre là-dedans? Un œuf, du beurre, canne à sucre et du blé. Pour faire une tourte, à mon avis. Oh, je vais juste faire un truc, on va faire ça. Voilà, et je vais en vendre 3. Tac. Comme ça, quand j'aurai assez, je vendrai tout ce que j'ai. Là, on va racheter des flèches. C'est bien le seul truc qui me manque, c'est bien les flèches. Oh, bah oui. Il n'y a plus de flèches. Hop. T'as rien d'autre? Non. Bye bye. Ah, il y a là-bas. Il y a un chpouille. Il y a un chpouille là-bas. Et il y a quoi dans le puits? Et. Apparemment, il n'y a pas grand chose. Pas 3 d'effets là? Non? J'ai peut-être rêvé. Non, c'est pas celui-ci. Hop, voilà. Alors, comme ça, au niveau des faits, ça m'en fait 3. Parfait. Comme ça, je suis safe au niveau nourriture. Au niveau des faits, c'est pareil. Bon, il y avait rien dans le puits. Ah bah évidemment le feu il s'est éteint. Du coup, il galope vite, lui. Non, on va prendre
normal. Ah. Ah. Jusqu'à demain matin. Ah, j'ai pas le droit de... Ah bon, ok. Ah, oh, j'avais pas vu ça. Ah bah si, j'ai droit à mon point. Voilà. Ah. Merci. Hi. Hi. Hop. Et voilà. Ça, j'ai un véhicule, on va dire, tout terrain. Ok, ça c'est pour la troupe musicale. On verra après. Pour l'instant, bah, faut que je me dirige par ici. Donc, on va mettre une balise et on va mettre la violette. Allez. Ouais, vu que j'ai un cheval, en fait, ça me sert à rien ce que je viens de faire. Mais c'est pas grave. Non, c'est de l'autre côté. Ah, ok. Je sais ce que c'est, ça. Tiens, tiens. Il y a du monde par là. Qui vient de nous tirer dessus, là ? Je dis pas que c'est lui. Quoi, bouclier ? What ? On va sortir ça. On va prendre ça. Ah ouais. Ok. Encore une âme qui vient de casser. Voilà. Oh. Pas bon ça. Bon, un petit coffre gratuit. Bon, tout qu'à faire. Qu'est-ce que j'ai en arc ? Ouais, bah toi, on va pouvoir te virer.
Et du coup, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Ça, c'est le bouclier et ça, c'est le corps. Matraque laser. Les petites marmites. Généralement, quand il y a ce genre de musique, il y a un ennemi quelque part, mais apparemment non. C'est à l'attention de te rendre. Donc, par le pont suspendu, tu ferais mieux d'être prudent. J'avais mon propre relais là-bas avant, mais les températures se sont emballées à la suite du cataclysme. Elles sont devenues trop extrêmes pour les chevaux. Résultat, plus personne ne vit à un cheval et j'ai dû fermer boutique. Et j'ai ouvert la société des relais à la place, mais c'est pas la même chose qu'une galère. Bien un membre de notre programme et tu auras soit donc un point relais. Première visite. Bon bah j'ai le droit à une autre récompense. Oh, je vois que t'as récupéré pas mal de points, petit. Par contre, si tu veux des récompenses, va falloir aller au relais. Moi, je peux rien pour toi à ce niveau-là. Le plus près d'ici, ça doit être le relais de l'orée de la plaine au nord-est d'ici. Ouais, bah du coup, je laisse tomber. Fermé maintenant, mais si tu comptes quand même te rendre au relais de douche, fais gaffe à toi. Depuis le cataclysme, complètement inondé, une vraie rivière. Voilà, comme ça ne serait pas une partie de plaisir, tu peux me croire. D'accord, bon, apparemment, c'est la misère pour y aller à cheval. Mis à part ça, bon, c'est pas toi que je veux. Ah, si, attends, je vois quelque chose là. Oh. Hop, on va ramasser tout ça. Oh non, mais je t'ai pas demandé. Oh, bon, ok, il a grimpé tout seul. Bonjour à toi. Hop, moi j'y vais par contre. Comme ça, je vois ce que ça. Comme ça, je vais voir ce que ça donne. Du coup, ça. Ok. On va prendre celui-ci et ils sont où les petits? Voilà. Comme ça, on fait le plein.
Ah, il y a les pieux. Les ressorts. Batterie de recharge. Ah, ça, ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. Bon, ça fait deux batteries. 7 pieux. Et du coup, sur la carte, ça dit... Ok. Donc, on a le droit à des pieux, des roues, ressorts, marmite de voyage et batterie de recharge. Bon, c'est pas mal tout ça. Oh. Mis à part ça, il n'y a rien d'autre. Et on fera les quêtes secondaires un petit peu plus tard aussi. Comme ça, ça me permet de voir. Alors, toi, au-delà, le climat est particulièrement inhospitalier. Il fait extrêmement chaud aux journées, de la nuit, le froid est glacial. Rester là-bas trop longtemps peut être dangereux, alors il faudra prendre des précautions. Je vais te poser quelques questions histoire de vérifier que tu sais comment te protéger sur ce qu'il t'attend. Si tu réponds à côté, je te laisserai pas passer. Bon, bah apparemment j'ai pas trop le choix. Bah ouais, très bien. Alors commençons. On va suivre la première question. Qu'est-ce qui aide à lutter contre le froid? Asperger de l'eau, rester près du feu. Correct, mais t'en balle pas, la première question n'est qu'un tour de chauffe. Bien, et maintenant la deuxième question. Elle est un peu plus difficile, alors concentre-toi. Alors, quand il fait chaud, où peux-tu te rafraîchir? Au soleil, à l'ombre? À l'ombre, tout juste. Et je n'ai fait pas l'impression que tu réponds au hasard, c'est bien. Au passage, tu peux aussi lutter contre la chaleur ardente du soleil en t'aspergeant d'eau. Garde bien ça à l'esprit. On arrive à la troisième question, elle est un peu plus difficile, réfléchis bien. Quel ingrédient est efficace pour lutter contre la chaleur? Champli-gagla. C'est bien ça, tu m'impressionnes, c'était vraiment une question piège. Bien, c'est la dernière question. Dans quel endroit situé dans le canyon Gerudo, la température ne devrait-elle pas qu'elle fasse... Quoi? Dans quel endroit situé dans le canyon Gerudo, les températures ne varient-elles pas qu'il fasse jour ou nuit? Dans une grotte? Très bien, t'as ici, tu m'as l'air d'être un véritable expert. Tu devrais très bien t'en sortir. Autant que je... Et tant que j'y suis, tiens, prends ça. Si tu les ouvres avec ton arme et que tu places dans la vapeur qui s'engage, ça te rafraîchira temporairement. Tu peux passer. Fais attention à toi. Ah bah voilà. Facile. Ouais, juste vérifier ce qu'il y a par là. Par ici, il n'y a rien. Ah, évidemment, c'est l'autre côté qu'il faut monter. Ah.
Ah, il y a un coffre ici. Il y a peut-être un accès quelque part, à mon avis, de tout dessus l'accès. Mais on verra plus tard. À mon avis, l'accès doit être par là. Hein, quoique là, ça descend là. Et là-bas, c'est une grotte. Allez, je me suis un peu loupé là. Y a pas un feu de camp aussi là. Parfait. On va faire le voyage de nuit. Voilà, comme ça. On va juste aussi s'équiper apparemment parce qu'il fait froid. D'accord, ok, bon bah. J'étais avec l'équipement de froid. Alors non. Ces panneaux, on verra plus tard. Là-bas, il y a une grotte, donc on verra ça plus tard aussi. Sur le passage, il doit être là. Quoi là-dedans? Il n'y a rien. Je croyais que c'était un ennemi. Hop. De la nourriture, toujours de la nourriture. Alors évidemment... Il m'a l'air d'être tout seul. Ouais, va falloir... Pourquoi est-ce que j'ai ça? Ah, heureusement que j'avais une fée. Ah, couché. Je me suis électrocuté, j'avais perdu les armes. Ouais, alors si je descends, par contre, je vais pas pouvoir remonter. Ouais, donc on verra ça plus tard. Faut que j'essaye d'avancer au maximum pour aller au plus loin. Alors, sinon. Je me doutais bien que... qu'il y avait quelque chose à côté. Le dragon de foudre. Dès qu'on entend cette musique, généralement c'est qu'il est à proximité.
Putain, il y a encore une pierre qui vient de tomber. Comme je vais pas faire l'exploration tout de suite, juste au moins. Vas-y, attaque ton pote. Si, attaque-le ton pote là. Sérieux? Aïe! Ah oui! Aussi. Ouais, effectivement, on va prendre celui-là. Du coup, sur les trois fées, j'en ai perdu deux. C'est génial. Ce qu'il y avait par ici, mais apparemment il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça m'a pris du temps, mais maintenant je m'en souviens. Tout de même, il y a que des falaises par ici, et alors je suis obligé de faire des détours. Ce serait tellement plus facile si je pouvais voler comme un piaf. Montagne. Hop, ça c'est pareil.
J'ai oublié de les prendre en photo tout à l'heure. Lui, il a un coffre. Raté. Évidemment, le soleil qui commence à se lever là. J'ai couru trop longtemps. Cool, j'en ai perdu toute l'endue. Ouais, toi, t'attendras plus tard parce que tu. Tu m'énerves un peu là avec tes. En fait, le plus simple pour y aller. Juste checker un peu les environs. Et ce qui est bizarre, c'est que. Ah si, là-bas, là, je vois une tour. Est-ce que ce serait. Non, à mon avis, ça n'a pas l'air d'être la bonne tour. Ah, ouais, mais non. Je voulais pas vous appeler, vous. Toc. On va juste se faire un petit peu à manger. Alors, on va prendre ça. On va en prendre deux. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ça c'est pour la vigueur. On va prendre une pomme. Tiens, elles sont où? Elles sont là. Puis on va mettre deux comme ça. On va voir ce que ça donne. On sait jamais des fois que. Ah, vitesse de nage, d'accord, ok. On sait pas ce que je voulais. Mais au moins, je sais ce que ça apporte. Sinon, non, j'ai rien d'autre. Il y a que celui-là qui fait 17. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre avec? Si, je sais ce que je vais mettre. Alors, soit ça. Je vais mettre deux comme ça. Un comme ça. Et il me faut un autre ingrédient. Restaure l'énergie vitale une fois consommée. Ouais, allez, et une petite truffe. Eh ben. Bon, on va dire qu'on va être bien comme ça. Alors, juste, on va passer au mode matin. Non, c'est pas le matin que je voulais, c'était le mode nuit. Sera plus facile pour aller jusqu'à la ville. Voilà. Yep.
ça, ça fait rien. Là-dedans, il n'y a rien. Ah si, à mon avis, ça m'a l'air d'être... Ah, tombe bien. Je cherchais justement de quoi aller là-haut. Ouais, c'est ça, c'est la prochaine tour. Donc ça tombe très bien. Et puis apparemment là-bas ce serait... Non, je sais même pas si c'est un relais ou quoi que ce soit, ça m'étonnerait. Ah! Faut pas accéder à la ville apparemment là-bas. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je vois pas de sanctuaire. C'est le seul arbre qui est fleuri. Sérieux? Bon, je peux pas l'activer celui-ci. C'est génial. Et puis là, j'ai cru voir un monstre en plus. Ou pas? Ah non, c'est pas un monstre, donc ça va. Ah monsieur, toi aussi t'es venu jeter un œil à la tour de reconnaissance et sinon tu y dors jamais. Et en fait, si je suis là, c'est justement pour la réparer. Mais pas de bol, le monte charge marche plus, donc je peux pas y monter. Tu vois cette pièce de métal, ouais. Bah à l'origine. Une plateforme était accrochée. Ah. Ok. Bon. Ah. Ouais, bon, j'ai compris. Faut que je te mette un mont de charge. Ah bah. Il y a deux qui viennent de tomber, c'est bien ça. Un cap apparemment qui va là-haut. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. On va mettre ça dessus. Ok. Donc il faut rajouter encore du poids dessus. On va faire ça. Ah.
Eh, t'es arrivé en haut. C'est toi qui as réussi à faire fonctionner le monte-charge. Tu m'épates, monsieur. Je me mets tout de suite au boulot pour réparer la tour de reconnaissance. Ouais, bah dépêche-toi. Allez, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Les pièces ont pris un coup de chaud et le mécanisme s'est bloqué. Oh, je vais la remplacer par des pièces résistantes à la chaleur. Et voilà, ça marche. Comme par magie. Alors, en plus, j'ai un plan anti-chaud. Qui me sera fort utile pour après. Voilà, comme ça, on active la tour. Et c'est parti pour un petit envol. Si je vois un sanctuaire en bas, mais il m'a l'air d'être assez loin. Ah bah voilà qui est mieux, beaucoup mieux même. Ça, je vois où est le passage. Perfecto. Alors, du coup... Bon, du coup, c'est là. Ouais, donc, il y a bel et bien une île ici. Donc, il y en a une autre ici. Ah. Une espèce d'étoile, là. Alors j'avais vu un sanctuaire, je crois qu'il était, ouais, ici. Ouais, évidemment je le vois pas. Est-ce que ça me dirigerait sur... Ouais, à mon avis il est par là-bas. Le truc, le pur hasard, quoi. Ah bah oui, évidemment, j'arrive, il tombe. Ah mais la blague. Fragment d'étoile, ce mystérieux fragment d'étoile tombé du ciel est si précieux que sa valeur marchande est très élevée, mais... Il semblerait qu'il soit aussi capable d'illuminer les alentours. Cool. Donc, le sanctuaire est ici. On va activer la téléportation dessus. Hop, arrivé. Bon, on passe, hein, comme d'habitude. Et nous allons... nous arrêter là, du moins pour ce matin. Petite reprise. Donc cet après-midi, pas cet après-midi, pardon. Cet après-midi, je serai avec des amis sur un autre jeu, si tout le monde est là, bien sûr. Et reprise du stream ce soir, sous les coups de 20h, 20h30, approximatif. On verra comment ça va se dérouler. Donc voilà, donc petite conquête, voilà, on a fait déjà la petite tour qui est là, et ensuite je suppose que le prochain objectif, bah, ce sera d'aller sur celui-ci, tout du moins dans la ville qui est là, avec un bel oasis qui se trouve à proximité.
Donc, nous nous retrouverons donc sûrement ce soir pour un petit live approximativement 4 heures, un petit peu moins qu'aujourd'hui d'ailleurs, que ce matin. Là, c'est 3 heures, quasiment 3 heures de live, là, donc ça pas trop mal. Donc voilà, je vous dis bonne fin de matinée, bon appétit si vous allez manger, et à plus tard. Ciao, ciao.